Hey peuple de YouTube, ici Monsieur Zombificateur, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Altis Life, sur Agorapolis. Donc aujourd'hui c'est soirée spéciale absinthe, donc le but du jeu de cette soirée ça va être de se bourrer un petit peu la gueule. Alors là il y a la gendarmerie. On va essayer d'enquiller le premier verre le plus rapidement possible. Parce que ça fait de l'effet, je vous le dis, c'est du 55 degrés. Et autant dire que c'est pas la pire des boissons, mais c'est pas non plus une bière quoi. Donc je vais ranger mon arme. C'est vrai que ce soir je friquillerais bien moi. Autant si je suis un peu chaud, je tire ce soir, je vous le dis. Alors je vais un peu retirer parce que je sais pas si j'aurai assez. Merde, pas 3000. On va faire le plein d'essence. Tac, hop là. Allez, ça fait le plein. Premier verre. Alors, voilà, le plein est fait. Donc, pour ce premier verre de bu, je pense que d'abord, histoire d'espacer un peu, on va aller faire un tour sur Kavala. Alors, on va prendre une bouteille d'eau de plus et un bacon tactique. Voilà. Tac. Dommage, je l'aurais bien manqué. Il y a trop de monde. Trop de monde autour, ça fait chier. Ils sont trois les mecs. Laisse tomber quoi. On va essayer de faire autre chose. Je pense que ça va partir en couille ce soir, je vous le dis. Je vais juste me servir un petit verre, histoire de. Oula, pas trop le corsé celui-là, parce qu'il est un peu corsé, je trouve. Alors, la bouteille, mine de rien, elle descend petit à petit. Mais ça va, tout va bien. Hop là, tac. Voilà, un bon verre d'absinthe. Oh putain. Ça va être fastidieux, ça. Vous proposez pas du travail, monsieur, vous? Par hasard? Rien à faire. D'accord. D'argent, rien. Ah ouais, c'est difficile en ce moment avec la crise et tout là. C'est pas facile, hein. Assez pour avoir un permis. Avoir le permis voiture? C'est une très bonne question. Je crois que c'est. Je me rappelle plus, je crois que c'est 30 000, un truc comme ça. Moi, je veux bien te faire une proposition d'argent si t'es chaud pour faire quelque chose. Par exemple, monsieur. Venez, on va un peu s'isoler. Moi je te fais proposition d'argent, je te donne une arme, tu vois les types là-bas qui sont assis là, sur la terrasse. Là-bas tu vois, t'as une table là où tu peux t'asseoir. Pas si tu vois le délire. À peu près, ouais. Je te donne... Je sais pas quoi il joue lui. Je te donne quelque chose, tu vois. Je te donne une arme. Tu vois, en fait, le but du jeu c'est facile. Je te donne une arme, je te donne une cible, tu la bats et je te verse 100 000 euros. C'est sympathique, oui, effectivement. Parce qu'en fait, je t'explique, moi je suis un gros riche et j'adore tourner des séquences en fait où je vois qu'il y a des meurtres, tu vois. J'adore ça, c'est mon kiff. Tu sais, c'est comme ceux qui adorent les clubs échangistes, les choses comme ça, tu vois. Ben, moi je paye des gens pour qu'ils fassent des choses en fait. Tu vois? D'accord. Et j'adore ça en fait. Voilà, c'est mon kiff. C'est que ouais, ce ne sera pas une des cibles. Pardon, j'ai pas compris, ce sera pas une, mais. Ce sera pas une, mais trois. Non, mais on peut réduire à une, c'est pas grave. Alors, ça, c'est un chargeur. On va voir à quoi reste. Ça, c'est une arme, elle est chargée normalement. Plus le chargeur que je t'ai donné, ça fait deux. Voilà. Après, pour le tarif, voilà, tu te sens d'en faire un ou tu te sens d'en faire plusieurs? Comme je t'ai dit, Oui, je t'écoute. bah normalement t'as dû faire les trois.
Parce que le problème, c'est qu'en fait, les trois sont armés. Donc allez, je te fais plaisir, je te verserai un petit 100 000 pour une ou deux têtes, grand max. Si t'en fais une, c'est pas grave, je te verse 100 000, allez. Regarde, c'est facile, je vais garer ma bagnole ici, là, en long, là. Toi, tu passes par là où tu es passé derrière la ruelle. Normalement, tu pourras avoir un angle de tir, t'abats tout ce que tu peux. Tu montes vite dans la bagnole, on se casse. Je te verse l'argent, je te dépose un endroit bien caché. Et moi, je vais me cacher à un autre endroit et mission complétée, tu vois. Au moins, j'aurais pu capturer ma petite séquence avec ma GoPro sur mon épaule, tu vois. Et ça va plaire à mes auditeurs et c'est un certain cercle vicieux, tu vois. Bon, c'est privé, mais en gros, c'est. D'accord, t'es pas considéré comme du fric. Non, si jamais il y a un problème, ça sera pris sur moi. Donc, t'inquiète pas pour ça. Excusez-moi, mon brave, bonjour. Oui, je vous écoute. Dis-moi, où c'est que le formateur de... J'aimerais prendre quelques leçons de conduite pour passer le permis et je sais pas où c'est que le formateur. Il n'y a pas besoin de tout ça, il faut aller à la préfecture, qui est plus loin là-bas à gauche en fait. Elle était vide, la préfecture, vu l'heure qu'il est. Non, 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 mais t'inquiète, t'as une borne normalement automatique qui te donne les tarifs. Automatique, c'est un petit truc blanc que j'ai vu à l'entrée et je peux rien faire dessus, c'est bizarre. Bah écoutez, je dois vous laisser. Le distributeur. Vas-y, on va jeter un coup d'œil derrière. Ah bah non, il n'y avait pas de lui. Donc, bah... Tu les as abattus? Ah oui, les trois. J'avais pas les trois. T'as réussi à abattre les trois? Le troisième, c'est le fait. Alors. Tué, mais je l'ai tué. Alors attends 2 secondes, j'ai pas bien entendu là, je viens de mettre les bouchons d'oreille, qu'est-ce que tu m'as dit? En gros, j'ai entendu que le troisième s'est levé. D'accord, alors tu sais ce qu'on va faire? On va se déshabiller, je vais te passer l'argent et on va y aller incognito. Attends. Voilà, jette vraiment tout, hein. Franchement tu jettes tout, même le sac à dos, Bon moi ils vont pas me reconnaître. Je te file ma combi, le bas de combi. Tu mets le bas de combi. Voilà. Mec, mec, écoute. C'est que tu prends ta voiture. Ouais. Passe là-bas voir s'il y a bien les cadavres et on se rejoint à la préfecture, à la TR. Ça va, ça marche. Tu sais ce qu'on fait? Toi, tu vas à la préfecture, c'est ça? Je t'attends là-bas à la TR. À l'ATM de la préfecture, ok, ça marche, y a pas de soucis, moi je passe devant. Ok, ça va. Alors, le vendeur, il est où? J'ai un petit peu de la peine. J'étais un peu déshabillé. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont des soucis, vos collègues, non? Alors, fatigué en tout cas. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont eu? Il y a une fusillade à 5 minutes. Sérieux? Voilà. Ah ouais. Pour de Ah, bon? ça rigole pas ici. Mais qui c'est qui a fait ça? Oh, c'est un mec qui a tiré, comme ça il est venu, après c'est la tchave. Ah bah c'est sûrement un règlement de compte je pense. Ouais. Il m'a abattu les trois. C'est bon, je m'achète des habits pourris comme ça. Allez, c'est parfait. Direction la préfecture. Voilà, c'est bon, je suis là. Alors on est bien d'accord, on se connaît pas toi et moi, donc j'ai bien vérifié. Alors attends 2 secondes, je me mets en chuchotement. Voilà, donc t'as bien abattu les trois en fait, je viens d'aller voir. Donc franchement, beau boulot, ça fait un bon petit truc là, je suis assez content. Même si j'ai pas pu vraiment filmer, le résultat c'est le même parce que j'ai pu filmer les cadavres. Donc je te file l'argent, comme convenu. Ah, si tu veux, avec ma petite la vidéo. Voilà. Mais je pense que je vais garder ton contact, mais fais comme si tu me connaissais pas. Et si la prochaine fois t'as besoin de fric, je te contacterai
Ou tu sais quoi, garde mon contact quand même, mais tu fais comme si on parlait de tout et de rien, et puis je comprendrais que tu veuilles me donner un rendez-vous la prochaine fois ou un truc comme ça. Je te dis une bonne fin de soirée, et à la prochaine. Merci. J'espère que cet épisode sur la bouteille d'absinthe vous a plu. C'était spécial alcool, spécial absinthe sur Altis Life. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. Je serai sobre, bien sûr, parce que là, c'était un événement assez spécial. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour une prochaine vidéo et le prochain épisode d'Altis Life. Je vous embrasse tous et je vous dis salut à tous. Peace.